Alors, c'est la première fois que je viens ici et je trouve que c'est bien pour les jeunes de découvrir de nouveaux livres. Et en plus, il y a les auteurs qui dédicacent, alors si ça leur intéresse, ils peuvent venir ici. Il y a aussi pour les enfants et les enfants sont assez... On dirait attiré par tout ce qu'il y a en couleur et tout ça. Et j'ai découvert aussi un côté manga, comme je suis fan de manga, et je suis partie voir et j'adore beaucoup les dessinateurs qui ont fait ces dessins. Voilà. Et donc j'inciterai aux personnes de venir au salon de l'île, que ce soit à Saint-Pierre ou dans d'autres îles, à Saint-Paul ou Saint-Denis. Par exemple. Voilà. Bonjour, pour cette première édition du Salon du Livre, je trouve que c'est plutôt réussi. Il y a beaucoup de stands et beaucoup de différentes choses à voir. Il y a les maisons d'édition, les librairies, la rencontre avec les auteurs. Et en tant qu'auteur, je suis ravie de pouvoir rencontrer mes lecteurs. Et il y a le stand du numérique, donc je trouve que c'est très complet. En plus avec les animations musicales et les animations pour les enfants, c'est bien pour toute la famille en fait. J'ai écrit mon premier livre, il m'a pris 4 ans. C'est assez long, mais c'est vrai que pour un premier livre, parfois il faut du temps et du courage pour se dire je vais le finir. Il faut vraiment être motivé. J'ai le second livre là qui a été envoyé à la maison d'édition, j'attends la réponse. Et en tant qu'auteur, l'écriture pour moi c'est une drogue en fait.
il peut m'arriver de me lever à 2h ou 4h du matin, d'avoir une idée, comme une graine, une petite graine. Et cette idée, elle va continuer à germer dans ma tête, devenir un gros arbre. Et tant que je ne l'aurai pas écrit sur papier, eh ben, je ne vais pas réussir à me rendormir. Athéna qui devrait perdurer. Ah oui, c'est pour faire connaître les livres aussi. Parce qu'il y en a qui restent dans le secret. C'est dommage, on partage, on fait tout dans les livres, avec les livres. De tout point, de tous les coins de la Réunion pour partager avec nous ces moments uniques. Nous avons aussi à remercier les libraires, les éditeurs, les associations culturelles, les musiciens, les conteurs, les comédiens, les acteurs de la petite enfance qui ont occupé des stands, des salons, organisé de nombreuses manifestations. Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le public qui a répondu présent à cette manifestation, à cette première édition. La municipalité de Saint-Pierre, le sénateur maire Michel Fontaine, toute son équipe politique et son équipe administrative est heureuse de vous avoir fait participer à cette manifestation. Un dernier remerciement pour le personnel de la médiathèque qui a œuvré sans compter, auquel je vous demande d'applaudir. D'applaudir encore une fois comme il se doit toute l'équipe organisatrice, s'il vous plaît, la médiathèque de Saint-Pierre, je vous laisse.